to your favorite modern world. Bonjour tout le monde, c'est encore Alice qui m'a mis sur la piste d'un groupe de métal. Un groupe français né en 2017 à Lorient, où tous les ans a lieu le festival interceltique. Mais ici, point de folk. Black Bill joue dans le post-metal à forte composante doom chantée à deux voix, et comme dans Dimna Lofta, c'est une seule et même personne qui est derrière le micro, ce qui me laisse toujours sans voix. Leur second album, L'Oratoire, sorti en 2023, propose 6 morceaux de 2 à 9 minutes où un growl démoniaque et un chant mélancolique féminin se posent sur un post-metal lent et pesant. Pour les situer, il y a un peu de Heavy Vein ou de Mesa pour le chant clair, The Ocean pour le growl et la musique parfois, et Shaw of Null pour la narration. Si avec ça, je ne vous donne pas envie... La pochette de l'oratoire est formée de 4 gravures et photographies monochromes empilées représentant un cloître, une abbaye, un arbre mort et une femme nue vue de dos debout sur une sorte de radeau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est intriguant. Les paroles des morceaux ne vous avanceront pas vraiment puisqu'elles ne sont pas présentes sur Bandcamp et que le growl est totalement indécodable. Restent les titres des pistes qui parlent de deuil, d'un Athénien prestigieux, d'un oratoire, d'une lamentation et d'un cortège peut-être funéraire. Débrouillez-vous avec ça. Le cours In Procession débute l'album de manière cinématique. Un peu moins de 3 minutes, quasi incantatoire, sur le chant clair de Roman et qui explose en post-metal avec Bereavement. Ce second titre, nettement plus chargé, où surgit pour la première fois le growl, possède la violence d'un post-metal et la pesanteur du doom. Durant plus de 9 minutes, il alterne montée en puissance suivie d'accalmies salutaires et même une section électroacoustique épurée. Mais le point d'orgue de l'album se situe entre Éphialthèse et son antithèse. L'oratoire est un des morceaux les plus courts après In Procession, mais c'est pour moi le pivot de cette histoire. A Lament, qui termine l'album, illustre parfaitement, en près de 8 minutes, l'idée que l'on peut se faire des lamentations, qu'elles soient contenues, comme au début du morceau, ou hurlées un peu plus loin. L'oratoire est un magnifique album qui épouse souvent la forme progressive pour mieux jouer du métal. Entre The Substance, paru en 2020, et l'oratoire, le groupe a nettement progressé, gagnant en finesse et récupérant au passage un guitariste en la personne de Rémi. Je ne peux que vous recommander cet album. C'est tout pour aujourd'hui. On ne se retrouvera pas lundi prochain, pour faute de planning vraiment chargé, mais dans 15 jours, je vous promets une nouvelle vidéo. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique et si vous voulez suivre les autres, eh bien abonnez-vous. Bisous !